Et maintenant, pour notre exposition principale, je voudrais vous présenter la collection d'oursons en gélatine. Maintenant, passons à autre chose. Wow! Tant que personne ne regarde, je dois essayer cet ours. Oh, il est si délicieux! J'aimerais aussi l'essayer. Je souhaite que personne ne puisse le voir. Poussez-vous, laissez-moi. Stop! Ne le faites pas! C'est une exposition! Ne le mangez pas! J'en ai marre de tout ça! Comment osez-vous manger de l'art? Stop! Oh! Ça parle! Et ce tableau parlant est sur le point de vous montrer quelque chose. Où sommes-nous? J'espère que ça va être amusant. Pourquoi nous avons besoin de tant de dentifrice? Et vous en aurez besoin pour dessiner! Et pour le meilleur dessin, il y aura un prix qui attend l'un d'entre vous. Vous voyez ça? Quelqu'un va voir ce quadcoptère. Et c'est parti! Il faut que je gagne ce tour. Je me demande si cette pâte violette fonctionnera. Je pense que c'est juste ce qu'il faut. Et je pense que la pâte bleue serait beaucoup plus appropriée. Vous ne comprenez rien. Il faut dessiner avec la pâte la plus brillante. Oh, Peter! Je ne savais pas que tu pouvais dessiner comme ça. Mais tu peux utiliser un peu de pâte rouge. Bah les pâtes! Oh, je n'en avais pas très envie. Hein. Et Marie, par contre, n'a aucune idée de ce que je suis sur le point de faire. Elle pourrait utiliser un peu de pâte rouge aussi. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi faire? T'as tout gâché! Bien que... Je peux les récupérer. Stop! Vous n'avez plus de temps! Montrez-moi vos chefs-d'œuvre! Eh bien... Marie, je m'attendais à quelque chose de mieux de ta part. Ce n'est pas bon du tout. Emma, tu n'as pas essayé du tout. Ce n'est pas suffisant pour gagner. Non. Peter, toi, t'as fait ma journée. Et bien joué, t'as gagné ce tour. Félicitations, le quadcoptère est maintenant à toi. Oh, j'en ai rêvé. Je vais enfin pouvoir le faire voler. Regardez la vitesse. C'est incroyable. Oh, oh, il veut me tuer. Mes pauvres cheveux, à quel point ça fait mal. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, c'est comme si t'allais chez le coiffeur gratuitement. Waouh! Je n'en ai jamais dessiné avec un stylo 3D. Et cette fois-ci, le prix sera également très cool. Combien d'entre vous veulent une play toute neuve? Bien sûr que vous tous. Le jeu est tellement amusant, je peux pas m'en arracher. Hé! Il est temps de continuer. Oh, c'est vrai. J'ai été distrait. Il est temps de se mettre au travail. Votre minute et c'est parti. En attendant, je vais jouer un peu. Eh bien, bien. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, mon téléphone a la même forme qu'un décodeur. Alors ça va m'aider. Et je peux définitivement gagner. Non mais on cela. Est-ce que quelqu'un sait comment dessiner avec ce stylo? Jusqu'à présent, c'est pas si mal que ça. Oui. Non mais n'importe quoi. Écoute Peter, j'en ai assez de toi. Encore une chose qui me frappe et je... Arrête de me crier dessus. Marie, elle est sûre de nous faire tous tomber. Je ne peux pas laisser faire ça. Je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce qu'elle fera sans ses lunettes? Écoutez, je suis Marie et je peux rien voir sans mes lunettes. Ah. Et moi? Est-ce que ça me ressemble? Hein? Où sont mes lunettes? Où suis-je? À l'aide! Oh oh! Qu'est-ce qu'on doit faire? En faisant comme si rien s'était passé. Oh oh! C'est affreux! Que leur est-il arrivé? Comment je suis censé réparer mes lunettes? J'ai un stylo super méga! J'ai un stylo vraiment super cool! Je vais réparer tout ça! Oui! Maintenant, on peut continuer. Je pense que je vais gagner. C'est fait! Et pour le reste entre nous? Oh non, vous n'avez plus de temps! Les gars, c'est le moment de me montrer votre travail.
Et moi? Ce n'est pas mauvais. Mais je m'attendais à quelque chose de plus. Peter, qu'est-ce que c'est que ça? Mais mon petit enfant pourrait faire mieux. Marie, t'es vraiment intelligente, toi. Il n'y a aucun doute dans l'esprit de quiconque que... la console est à toi. Oui! Maintenant, je peux jouer aux jeux les plus cool. Moi aussi, je veux jouer. Marie, nous sommes amis, tu dois partager avec moi. Quand je joue, je n'ai pas besoin d'être distraite ou je serai très en colère. Cette fois-ci, nous avons droit à des peintures pailletées très cool. Cool. C'est vrai. Votre prix sera tout aussi cool. L'un d'entre vous sera le regagnant de ces perles. Et c'est déjà parti. Je ne sais pas pourquoi je veux des perles, mais j'aimerais gagner. Moi aussi, j'ai envie d'avoir la perle. C'est si grand et si beau. Mais je suis pas très douée pour le dessiner. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? C'est la tâche la plus facile que on peut faire. Emma fait un travail vraiment cool. Mais je ne la laisserai pas gagner. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je suppose que je vais lui voler la peinture argentée principale. Vous ne pourrez pas dessiner une perle sans elle. Aïe! Les peintures volent déjà sur ma tête. Ce n'est qu'une question de temps. Oh! Oh, la peinture argentée. Comment je suis censée dessiner? Ah, c'est vrai. Cool. Je peux le faire avec les outils que j'ai. Oh, comme je vais utiliser ma palette. Les filles ont tout dans leur sac. C'est tellement injuste. Comme ça? Regardez comme c'est joli. Je n'ai pas de chance cette fois-ci. Il y a quelque chose qui ne marche pas du tout pour moi. Stop! Vous n'avez plus de temps. Et vos feuilles? Wow! Marie, c'est ton pire travail! Peter, t'as vraiment essayé, ça se voit. Mais ton dessin ne ressemble pas à un gagnant. Et voilà. Oh non! Emma, t'es vraiment bonne. Les perles sont à toi. Oh, comme ça te va bien. Regardez. Et oui, ça va bien. Wow! On a des pots de peinture cette fois-ci. Levez vos mains. Et compris, l'un d'entre vous va gagner ce canon. Regardez comme c'est cool. Vous allez sûrement mourir d'envie de mettre la main dessus. Et comme toujours, vous avez une minute pour dessiner ça. Et c'est tout. Bonne chance. Bon, il est temps de commencer. Mais la peinture orange ne me convient pas du tout. Que faire? Ah oui. Tenez pas perdu. Je peux dessiner le canon avec l'aide d'un autre morceau de papier que j'emprunte à Peter. Il y a un canon bleu sur le fond orange. Je pense que ça va être génial. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Hé, Emma! Je n'ai pas non plus de papier. C'est vrai. Ce sont des bombes. Elles sont généralement utilisées pour dessiner les murs. Pourquoi je fais pas ça aussi? Regardez! C'est un chef d'œuvre. Tout le monde réussit. Et je suis la seule à ne pas avoir le rendre beau. Vous n'avez plus de temps. Montrez vos chefs-d'œuvre. Peter, qu'est-ce que t'as fait? Comment je vais nettoyer ce mur? Non, c'est pas bon du tout. Marie, t'as même pas essayé. Tu ne peux pas gagner. Emma, j'aime bien ton dessin. Félicitations pour ta victoire. Le canon est maintenant à toi. Oh wow! Alors, vous êtes prêts à le tester? N'ayez pas peur. Rassurez-vous. Oh non, comment ça se fait? Oh, je crois que j'étais en train de tomber. Je suppose que je ne toucherai plus à cette arme. Abonnez-vous à Rapapa, vous y trouverez toujours des challenges originaux et très drôles.